Monsieur Gietti. Bonjour. Merci de répondre aux questions du Varois Patriote. C'est un plaisir. Nous sommes aujourd'hui à la commémoration de l'armistice de 1918 à Saint-Cyr-sur-Mer. Vous êtes député fraîchement élu de la Nation et vous siégez aussi à la commission de défense de l'Assemblée nationale. Et je suis même le secrétaire de cette commission de défense. Oui. D'accord. Dans chaque commission, dans les 8 commissions, il y a un bureau avec un président, 4 vice-présidents et 4 secrétaires. Et j'ai eu la chance d'avoir été élu dans le bureau de cette commission. Bien. Et on a vu pendant les discours de commémoration que maintenant on commémorait non seulement les morts pour la France durant la Grande Guerre, mais aussi les soldats tombés plus récemment en opération extérieure, en OPEX. Selon vous, est-ce que la France doit maintenir une présence militaire en Afrique au prix de certaines pertes On s'éloigne un peu de l'esprit du 11 novembre. Mais vous savez que depuis 1984, tous les ans, il y a des soldats français qui tombent pour la France, qui meurent pour la France. Donc il faut, moi je pense que ça a du sens de commémorer. Cette cérémonie du 11 novembre a aussi du sens parce que ce sacrifice de nos anciens, ce sont nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils l'ont fait pas pour eux, ils l'ont fait pour une certaine idée de la France. Ils l'ont fait pour défendre leur village, pour défendre leurs femmes, leurs enfants. Et c'est ce sacrifice dont on doit se souvenir, qu'on doit commémorer. C'est cet obligatoire devoir de mémoire que l'on doit entretenir. Parce que nous sommes leurs héritiers et nous leur sommes redevables et j'espère que nous ferons aussi bien que ce qu'on a pu faire pour laisser aussi à nos enfants cette terre qui nous vient depuis des millénaires. Pour revenir à votre question, pour ne pas l'éluder, l'intérêt de la France, la France doit avoir des capacités de pouvoir partout protéger dans le monde ses ressortissants et ses intérêts. Donc s'il est de l'intérêt de la France et des Français que nous intervenons en Afrique comme ailleurs, que nous ayons des présences. Et je vous rappelle que la France, c'est pas que l'Hexagone, même si j'aime pas ce terme, parce que ça dénature ce qu'est la France profonde, cette terre à laquelle nous sommes attachés. La France est la deuxième zone économique exclusive. C'est-à-dire que c'est elle a un territoire immense de par ses îles, de par ses départements, de par ses territoires outre-mer. Et donc, c'est ça qu'il faut protéger. Et donc, effectivement, il faut se donner les moyens de partout en France pouvoir protéger et nos ressortissants, nos compatriotes, mais aussi nos ressources. D'accord. Dans la continuité, je vous interroge sur les sujets d'actualité en lien aussi avec l'armée et la défense nationale. Par rapport à la situation en Ukraine, pendant les discours, on a rappelé qu'effectivement la guerre était revenue sur le continent européen. Faut-il continuer la politique de la France actuelle de soutien logistique au gouvernement ukrainien, quitte à nous placer dans une situation de co-belligérance? La situation est très complexe et très tendue. Moi, je pense que, comme notre mouvement, le Rassemblement national l'exprime depuis le début du conflit, on va poser clairement les choses. Il y a un agresseur, la Russie, il y a un agressé, l'Ukraine. Ce constat étant fait, les choses étant posées clairement, maintenant, je reprends un peu les termes du général de Villiers qui a fait une sortie, qui a publié son livre hier et avec lequel je suis assez en phase. Il faut à tout prix trouver un moyen de désescalade. Et ce moyen de désescalade, ce n'est pas en alimentant par des prises de position trop abruptes, en injectant trop d'armes, c'est la diplomatie. Il faut absolument que la diplomatie, et la France a une véritable voix dans le monde de par son réseau diplomatique pour trouver une solution à ce conflit. Ça ne passera que par la diplomatie, on le voit bien, les forces sont en train de s'enterrer, on retrouve une guerre comparable à la Première Guerre mondiale, d'artillerie, de chars. On sait sur quoi ça se débouche. Ça va déboucher sur des milliers de morts, sur des centaines de milliers de morts, et personne ne va gagner. Donc il faut absolument que les États se parlent et que la diplomatie œuvre. Mais parce qu'on a l'impression que l'apaisement ne viendra pas forcément ni du côté américain, ni du côté de la Commission européenne qui... La France doit faire encore une fois entendre sa voix, cette voix qui est si particulière dans le monde. D'accord. Alors juste une question par rapport à l'actualité plus varoise, plus toulonnaise, brûlante de ces derniers jours, en rapport avec ce navire de SOS Méditerranée, Ocean Viking, absolument, qui est arrivé ce matin au port de Toulon, à l'Arsenal. Vous avez fait une déclaration sur Twitter avec Laure Lavalette hier, si je m'abuse. Tout à fait ça. Quelle est votre position sur l'accueil de ces bateaux ou pas? C'est simple, non, on n'oublie pas le drame humain que consiste...
à traverser la Méditerranée et surtout le risque que prennent ces migrants à traverser la Méditerranée parce qu'ils prennent un risque inconsidérable et le signal qui est donné est un très mauvais signal. On n'oublie pas le drame humain qui se joue sur ce bateau avec ses enfants, ses femmes, ses hommes aussi parce qu'on les met au même titre que les enfants et que les femmes qui doivent souffrir, qui sont dans des mauvaises conditions de santé. Il faut leur apporter secours, c'est certain, il faut les soigner, les nourrir. Cela dit, ce que nous disons, c'est qu'ils n'ont pas leur place ici, en France, et tout simplement en Europe. Ni en Italie, ni en Espagne, ni en Europe. Donc ils doivent repartir de là où ils viennent. Et c'est un très mauvais signal qui a été donné par les autorités françaises à double titre. D'abord parce que c'est la porte ouverte à d'autres flux. C'est la première fois qu'un bateau de migrants d'ONG vient en France. C'est la première fois. Et donc, le signal est « on vous accueille », contrairement aux autres pays, parce qu'on se souvient bien, on sait très bien que le droit maritime devrait faire en sorte que ce bateau aille au plus près des côtes. C'est-à-dire en Tunisie, ça peut être en Algérie, ça peut être à Malte, ça peut être en Italie. Non, ils viennent en France parce que c'est piloté par des organisations politiques d'extrême gauche, des ONG d'extrême gauche comme SOS Méditerranée, qui sont parfois subventionnées par vos impôts, par différentes collectivités. Donc ça, c'est un très mauvais signal. Et c'est aussi un très très mauvais signal aux passeurs. Ceux qui servent de taxi, qui font du business, de l'argent sur du trafic humain. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas l'accepter. Donc nous disons oui à l'humain, oui à soigner, à nourrir et à protéger ces populations qui sont sur le bateau, mais non, ils n'ont pas leur place en France. Cette position humaniste, on comprend bien de ne pas laisser dans la détresse, en danger et malade ces migrants qui prennent la route, ouais, au mépris parfois de leur vie. Est-ce que c'est pas aussi un risque d'organiser une sorte de tourisme médical si on soigne tout le monde ? Sauf que je demande à la France, qui a les moyens, notamment par sa marine, ou par Frontex, qui eux-mêmes, Frontex a dit que ces ONG participent à la mafia de ces trafiquants d'hommes, d'humains, de pouvoir les bloquer dans les ports. Mais on peut remonter très loin. C'est aussi la responsabilité de Nicolas Sarkozy et de la guerre en Libye. Évidemment, en faisant chuter Kadhafi, on savait, il l'avait prévenu d'ailleurs, il avait dit que c'était sa menace, que son pays serait l'autoroute pour inonder l'Europe. Et bien ça se réalise aujourd'hui. Nous avons une marine, il y a des coopérations européennes pour bloquer, et surtout, il faut lutter, c'est la priorité des choses, il faut lutter contre ces passeurs, contre ces trafics, contre ces mafias que nous enrichissons, parce que le signal qui est donné, c'est allez-y, on les accueille, donc on sait ce qui se passe. Ils font 20 km au large des côtes, ils sont récupérés par les ONG, et eux, ils ont pas d'argent. C'est scandaleux. Et vous qui siégez à l'Assemblée nationale, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait faire évoluer la législation sur le droit maritime, notamment pour requalifier les actions des ONG comme SOS Méditerranée en piraterie ou en traite d'êtres humains ? Je n'ai pas étudié véritablement la question, mais nous portons la voix de la France, en tout cas notre groupe la porte. Vous connaissez les récentes polémiques. Nous défendons, nous voulons lutter absolument contre l'immigration. Parce que ce sont des migrants, ce sont des personnes qui sont... Ce sont des Maliens, des Pakistanais. Que je sache, le Pakistan n'est pas en guerre. Donc ce ne sont pas des réfugiés politiques, ce sont des gens qui viennent par opportunité, au risque de leur vie malheureusement. Et c'est ça qu'on doit leur dire, ne prenez pas ce risque. Il faut qu'ils sachent que la France ne les accueille pas et dans ce cas-là, ils ne prendront pas ce risque de mettre leur vie en danger. Voilà, c'est le message très clair que nous voulons prononcer. Ok, très bien. Merci, merci beaucoup, Franck Gietti. Merci. Bonne journée à vous. Merci.